Chaque fois où vous allez pour abandonner et pas jouer force pour continuer, juste rappeler ou pour qui ça ou te commencer. C'est conseil ça que nous portons pour aujourd'hui. Ministre Justice la Rockefeller Vincent annonce de nouvelles dispositions sous question sécurité référendum. Miami Herald mettait président Joe Biden en garde sous sa qui gagne ah ouais, ensemble avec la tenue des élections en Haïti. Sous-secrétaire général ONU Miroslav Jenkia fait une visite de 3 jours dans le pays. Car le coronavirus continue à augmenter et continue à faire victime au sein de la population haïtienne. Gros bout de toton activité faite dans Tabor, samedi 29 mai, ensemble avec dimanche 30 mai qui se passe à la, yon façon pour yon honorer maman yon. La police continue à déposer la patte sous quelques moun qui a simé la troublaille au sein de la population. Groupe gang armé continue à simé sang en dans pays. C'est entre autres informations ça yo que nous portons pour jodi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue en rubrique information ça. Ou même qui fait que tu es sur chaîne nan amando pour abonner et ou même qui t'est abonné déjà nan amando pour continuer like, partager, commenter, yon façon pour ka aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Ministre Justice Rockefeller Vincent a annoncé de nouvelles dispositions sous ça qui gen a ouais ensemble avec sécurité référendum. Mais avant nous arriver là, on fait une petite récapitulation. Eh bien, opposition lui-même lui déclarait que lui pas causé référendum constitutionnel ça. Et a fait toute manière, il a fait toute façon qui possible pour yon faire échec ensemble avec projet si là. C'est ça qui fait que yon te commencé yon tournée 28 mai qui se passe à là, nan ville Tigouave, Grand Gouave, Léogane, et puis nan commune Gressier. Eh bien, nan Léogane, côté ancien député Danton Léger, te gite fait comprendre que référendum n'a pas arrivé là parce que y a boule ni matériel et y a boule ni bureau. Et il te allé plus loin pour te faire comprendre. Que yon gen sa nou karele poud mo, piège, ensemble avec yon paquet de force, ensemble avec yon, qui ka aide yon, et bien qui ka permet yon faire face ensemble avec référendum. Et bien, c'est ensemble avec deux machettes et puis couline que population li même te recevoir opposition le ou te atterri nan ville la. Ki donc, moun yon décide pour yon faire échec ensemble avec cause référendum constitutionnel que président Jovenel Moïse même li a prôné depuis quelque temps. Et n'a pas rappelé que ministre Gonzague Day li même li te geta parlé pour te faire comprendre que la fait déposer comme neuf là soumettre André Michel ensemble avec Joseph Lambert si yo ta décidé camper en face référendum. Eh bien, c'est tout pas ministre Justice la Rockefeller Vincent pour lui mettre de nouvelles dispositions sous sa qui gen awe ensemble avec sécurité référendum. Il fait connaître que toute force armée qui a participé dans le processus ça, eh bien, gen l'ordre pour agir ensemble avec toute rigueur qui possible sous chaque grain de monde qui t'a osé venir contraindre processus pour réalisation référendum sa fête 27 juin qui a venu là. N'a pas rappelé que gen une délégation police colombienne qui t'est rentrée dans le pays a yon façon pour soutenir PNH là et bien notre travail que li a fait dans le pays a pour te kakwape Zak kidnapping ensemble avec banditis qui donc moun yo même yo décidé mettre tout ça yo gagné de yo nan jacout yo yon façon pour yo ka sécuriser réalisation référendum nan qui donc message clair pour opposition pièce moun pas gagné raison pour yo vin camper en face constitution baille chaque grain moun yon opportunité nan la vie puisque d'après président Jovenel Moïse constitution 1987 là c'est une constitution qui s'y tirait plus volet ensemble avec corruption en de pays a qui donc fok moun yo prêt pour accepter changement. Il te fait connaître tout que pays d'Haïti son pays démocratique si ou bon bagay pour dire eh bien ou doué dil. Mais pour dire non ensemble avec une nouvelle constitution, eh bien, faut qu'on aille voter référendum nan, ou pas besoin nan craser, briser. Ancien président Sénat ak républicain Jocelyn Privert, eh bien, te fait un bon temps, pas de jamais participer nan histoire politique nan pays d'Haïti, ou bien pas de jamais décider parler sous ça qui a passé en dan pays à la. Eh bien, moins de 2 mois avant que le référendum ne lui-même li fait, li sorti dans silence pour li positionner contre président Jovenel Moïse.
Il fait connaître que si la constitution 1987 n'a pas utile pays, et bien c'est parce que nous pas porté assez d'attention nécessaire pour mise en place institution indépendante et indispensable qui gagne pour ensemble avec implanter et bien un processus qui vraiment démocratique en dans pays d'Haïti. Il fait comprendre tout que président Jovenel Moïse a gagné tout support parlement lui il était monté sous pouvoir et ça t'a qu'a permettre et bien aider pays d'Haïti aller de l'avant mais bien malheureusement au lieu pour président Jovenel Moïse t'a utilisé ça et bien il fait un autre travail et qu'on a li besoin changer maman loi pays a qui gagne article andal qui fait qu'on est que et bien il pas supposé changer constitution par voie référendaire qui donc d'après ancien président républicain Jocelyne Privert c'est un mal que président Jovenel Moïse prêt pour lui faire la république et faut que président Jovenel Moïse t'a réfléchi à deux fois avant que lui continue ensemble avec processus référendum ça il fait connaître tout que tout policier qui t'a participé dans bail sécurité a t'a supposé réanalyser tout enjeu qui gagnait pour réaliser qualité travail ça dans le pays. Yo t'a supposé poser sans yo pour yo comprendre exactement nan qui ça que yo décidé fouiller quoi là et qui ça yo même yo décidé soutenir. Sous-secrétaire général ONU Miroslav Jenkia fait une visite de 3 jours en Haïti, yo façon pour lui te ka faire une inspection dans Binuyach, mais aussi pour lui te ka rencontrer un bien quelques membres dans société civile là, yon façon pour lui te ka discuter sous problème référendum ça, sous constitution yon nouveau gouvernement et sous ça qui gen awe ensemble avec élection. Eh bien, monsieur lui-même il était rencontré président Jovenel Moïse, quelques partis dans opposition et puis quelques acteurs dans société civile là et au Téchita puis on a discuté yon façon puis on a ouais si on a joindre yon consensus si on a joindre yon accord politique qui pour t'amener vers des élections qui libre et honnête en dans pays a n'a rappelé pour ça que mission EA lui-même il décide de dépêcher une délégation qui a gagné représentant pays Canada, Costa Rica, Équateur, Saint-Vincent et les Grenadines et bien sûr les États-Unis yon façon pour venir faciliter dialogue entre différents acteurs yo mais aussi pour venir faciliter la tenue des élections dans pays a n'a rappelé que malgré les États-Unis lui-même les réticents sous ça qui a ouais ensemble avec réalisation référendum dans pays a mais il toujours rété sous position là que élection supposée faite en Haïti là dans fin année 2021 puisque yon transition et bien avec qualité crise ça que Haïti a vive actuellement là pas bon pour pays a. Du même côté Miami Herald lui-même il profité attirer attention président Joe Biden yon façon pour lui camper contre processus électoral qui a fait nan pays a puisque éditorial la li même li fait connait avec aggravation situation actuelle pays d'Haïti a et bien moun yo pa ka ap penser ensemble avec réalisation référendum ni réalisation élection mais plutôt ensemble avec yon projet de sortie de crise au lieu pour moun yo ta focus sur élection yo ta plutôt de préférence focus pour yo ta wè ki jan yo ta retiré pays d'Haïti nan kachaboumbe sa ke li plonge depuis quelques années déjà. La police continue et bien li même a déposé la patte sous citoyen qui a simé la troublaille en dan pays d'Haïti. Nan Gonaïve, yo arrivé mette la patte sur un citoyen qui rele Djeko et mais qui ta participé nan plusieurs actes kidnapping. Monsieur sa li même li rete nan ri Asifa et yo ta accusé le que li participé ensemble avec quelques moun nan kidnapping mais aussi que li fait partie de un groupe gang qui a commencé en dans ville Gonaïve. Et bien actuellement là monsieur Salimem li nommé la justice yon façon pour rester processus yo fait dans commune Grandance. Et bien la police arrivé déposer la patte sur un citoyen qui relait Alain Nelson monsieur ça pas suspendre si mais la troublaille nan ti côté qui relait
des hommes. Et les ont arrêté monsieur ça, yo arrêté ensemble avec yo 9 mm nan men. N'a pas rappelé que entre vendredi 28 mai et dimanche 30 mai qui se passe là, la police arrivait déposer la patte sous plus que 7 individus dont yon ladan yo, c'est un policier qui relait Pierre Nicholson que arrêté ensemble avec zam de service li nan men nan Cité Soleil. Non, Tibus qui t'a pas fait voyage pour Port-au-Prince qui t'a gagné 18 moun la donne, eh bien, gros de l'eau t'a empêché chauffeur à continuer. Gagné 3 moun qui disparaissent et gagné 15 lotes qui chappaient de justesse ensemble avec aide population. Chauffeur ça lui-même qui t'a venu Port-au-Prince t'es obligé couper chemin puisque route qui reliait la Scaroubas ensemble avec Mirbalea li coupé parce que population eux-même y a protesté qui donc monsieur a été obligé faire une autre route et n'en fait l'autre route là li croisé ensemble avec yon dlo qui descend et dlo ça sorti dans rivière la Grosse. Eh bien, 3 moun arrivé disparaître et 15 lotes sauvés de justesse ensemble avec aide population. Yon bus qui tape rentré, eh bien, Gonaïve, attaqué par des personnes armées, côté que genyon jeune citoyen qui recevoit yon balle en tête et li ta mouri sous place. Groupe armé yo continue à faire actualité dans le pays, puisque groupe gang armé Cité Soleil dans rivalité yo arrivé fait 2 ans mort dans date samedi qui s'est passé à la. Yon ti moun qui recevoit un cartouche dans tête qui mouri sous place, ensemble avec yon lot, yon te geta kouri l'hôpital ensemble avec gen un jeune homme de 20 ans qui arrivé mouri calciné ensemble avec cause rivalité groupe gang de temps en temps qui a fait nan Cité Soleil. Samedi 29 mai, ensemble avec dimanche 30 mai qui se passe à la, eh bien, yon kokin chen activité qui te fait nan commune Taba, yon façon pour yote ka honore maman yo. Judea Kajuste, ensemble avec Jean Junior Hippolyte, qui initie activité sa presque chaque année, eh bien, arrivé honoré plus passé 1000 mamans. Yon activité qui fait nan plus de calme que possible ensemble avec discipline mais aussi dans sa nou karele yon grand respect pour chaque grand monde qui était présent dans 2 jours activité si là ça fait quelque temps que maman eux même yo apprend gros coup dans société civile là. Demain ça a été décidé mettre ensemble yon façon pour te ka fait que maman yo content nan jour 30 mai ça côté yo tap célébrer fête des mères. Car le coronavirus continue à augmenter dans le pays d'Haïti et yon pas suspendre fait victime. Gen gros otobre qui mouri que nous connaît et konsa tout gen docteur qui tape travail yon façon et bien pour ça pas arriver fait dans pays ya moun sa yo yo arrivé joine la moyo nan maladie coronavirus ça. N'a rappelé que variant anglais ensemble avec variant brésilien yo te découvri yo en Haïti mais aussi yo découvri yo tout nan 19 villes qui nan République Dominicaine et en Haïti malheureusement nous pas prêt pour nous recevoir vaccin que nan fin mois de juin qui a vini là côté n'a recevoir 2 millions doses de vaccins. N'a rappelé que vaccin lui-même li pas obligatoire qui donc ou même ou voulez prendre ou apprendre ou pas voulez prendre tout ou pas obligé prendre. Mesdames et messieurs, c'est toute information ça yo que nous t'ai porté pour jodi a. Nous espérons que vous t'entendez nous et nous espérons que vous t'ai comprendre nous tout. Merci d'être que vous continuez like, partager, commenter et surtout vous continuez abonner et inviter yon l'autre zami yon abonné pour yon ka toujours branché ensemble avec bon information. Nous bon rendez-vous pour l'autre sortie rubrique information ça. Bye bye.